Et coucou YouTube et bienvenue pour cette nouvelle rediffusion sur le gameplay décoration d'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il est temps de décorer pour Kurt. Alors vous inquiétez pas, j'ai un chaton dans... Alors il est plus dans le soutif parce qu'il est trop, il est déjà trop grand pour ça. Donc il glisse, hein, voilà, donc il essaye de venir faire un gros câlin, mais... voilà, il tient plus là où il tenait avant. Et merci Sowi pour son abonnement YouTube. Et on est donc en live sur Twitch, et, les gens de Twitch vous disent bonjour également. Et donc on va tout simplement aller décorer cette nouvelle maison, enfin cette nouvelle pièce, on ne sait pas encore où on va arriver, sachant qu'on a juste pris une mission, rénovation de pièce, sans savoir, y a pas de, si, on ne sait pas si c'est une cuisine ou une chambre ou quoi. Là ce sera notre choix, donc on va voir ce que c'est, et on y va tout de suite. Oui, c'est vrai, Martial, on pourrait faire ça correctement et après on voit les choses possibles à faire. Moi aussi, un émo de pourri, pas merci Twitch, c'est ça. Ah, ils m'ont fait un super train de la hip. Et oh putain, faudra demander au bambin aussi. Oh l'enfer. Ils m'ont fait un train de la hip et on a eu un super clébard en émote. C'est très bien. Alors, nous sommes dans une start. Non, c'est une, ça c'est une starter. C'est pas la starter ça. On va aller voir qu'est-ce que c'est, hein. Oh bah dis donc, madame elle va bientôt crever. Madame est vieille. Alors attendez, c'est le fils qui vit avec sa mère ou comment ça se passe? Ça y a Dupont, Florent Dupont. Ah puis elle aurait encore des gosses. Quel bonheur. Oh bah dis, bah y a tout à faire. Oups. Ah bah dis donc, bah, oh les pauvres, ils ont... Oh, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, ils ont air dans la baraque, quoi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on fait comme pièce? On a l'embarras du choix. Tu vas devoir parler de bambin, moi c'est ça. Alors qu'est-ce que tu penses, mon petit, de ma décoration? Je pense qu'il va lui foutre un coup de pied avant même de lui parler, ouais. Bon. L'avant, après, ça sera vite fait. Ah bah ça, c'est... Ce sera forcément mieux après. Cuisine. Bah si on fait la cuisine, vu que c'est un espace ouvert, on va faire salon aussi. Donc peut-être un petit sondage, Martial, si tu peux. Soit on fait séjour, donc séjour, ce sera cuisine, salon. Une des chambres, ou la salle de bain. Voilà, je pense que comme ça, on pourra avoir... Après, si on choisit chambre, eh ben, on choisira pour qui on fera la chambre. Mais là, je sais pas, parce que pour l'instant... bah, je vais me renseigner sur leur goût, et puis on pourrait voter pendant ce temps-là. Alors, présentation amicale. Amicalement vôtre, les enfants. Lui qui n'aime pas les enfants, c'est ça. Il va être traumatisé. Est-ce qu'il va faire une chambre pour enfants? Je suis pas sûre qu'il sera content, c'est. Ça peut être que mieux ce que tu vas faire. Oui, j'espère en tout cas. Alors, faire partir le client? Non. Non! Mais pourquoi j'ai cliqué sur ça? Mais est-ce qu'il dit pas bonjour, cet idiot? C'est bon ou pas? Putain, mais dis bonjour! Ah bah vache. Yazup. Bimbus. Bon ça suit. Ah bah dis donc, il était temps. Oh. C'est quoi le budget? Bah c'est 8000 je crois, comme les dernières fois. 8100. Ah, ils aiment le jaune. On a déjà fait une chambre jaune. C'est dommage. Narla Swag. Oh, for the big. Ah, Bleedo. Who's that? Huh. Under the glass. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Le style décoration. Deuxième. Il. Deuxième. Onzième. Pas sûr de comprendre. Comment? Merci pour vos votes. Vas-y, donne-moi une couleur, en vrai. Bon, je verrai bien ce que ça... Alors, qu'est-ce que t'aimes? N'hésitez pas à voter pour savoir quelle pièce on rénove.
Nurskus a lot. Alors? Non? Flinch, the noob. Montrer son portfolio. Se renseigner sur les décos favoris. Pour l'instant, on sait pas trop. Il est toujours là, hein, dans le décolleté, décolleté. Ah, ils aiment la... Bah, tu sais, ils aiment des choses. Aiment le chant. Voilà. Bon, bah, de toute façon, on a fait ce qu'on pouvait. On a demandé ce qu'on pouvait. Suggérer un autre style de décoration. Message de service. YouTube, tu peux pas voter. Tout à fait. Salut Wapsi, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. On est du coup sur une nouvelle mission de décoration. Il y a un petit vote en cours, n'hésite pas à t'exprimationner dans le sondage. Pour savoir quelle pièce on rénove, sachant que ben, y a rien. Donc, ce sera création. Alors si vous m'avez voté ces jours, je suis pas dans la merde parce que entre la cuisine et le salon, ça fait pas beaucoup de budget quand même. Hein. Eh ben c'est super! C'est donc Cuisine Séjour qui aura gagné, ben justement. Avec 8000 simfous, je vais pas aller loin! Merci les enfants! Allez, c'est pas grave. Ah, ta gueule le gamin. De toute façon, on a tout ce qu'on voulait, donc ben, on va partir. Enfin, on va partir. Ah, et en plus elle fout de la peinture, quel bonheur. On va faire des photos. On va être partir pour les photos. Ces décorations des îles, pas deuxième. Bah non, mais c'est ce que je me suis demandé, mais... Franchement, je vois deux traits, hein, E. Alors, bah c'est bizarre, tu vois, je me dis, c'est île, c'est deuxième qui est écrit. Comme deuxième siècle, tu vois, mais c'est complètement débile de dire deuxième siècle, sachant qu'on n'a rien de ce truc-là. Donc je savais bien que c'était moi qui était débile, mais quand même. Mais île, ça veut rien dire. Enfin, ils auraient pu dire des îles ou... je sais pas, tu vois. Bon, c'est bizarre. Ils s'expriment chelou, les Sims, en fait. Alors, deuxième photo. Puis on va prendre la cuisine. Est-ce qu'on laissera la cuisine là? Déjà, j'ai envie de dire que oui, hein, c'est pas trop mal placé. Mais ça va être un enfer, parce que moi, je vais pas avoir assez de budget, là, les enfants. Vous avez conscience? Est-ce que vous avez conscience qu'au niveau budget, ça va être tendu du slibar? Hop. Voilà, on a fait 4 photos. Bon, bah, ouais, viens ici. Puis on va être parti, hein. Du jaune, de la chanson et des îles. Ah oui, c'est ça. C'est... Ah, ils ont mis Salvadorada avec. Ah, ils nous mettent même les fenêtres et tout. Ah, bah voilà, regardez, on va mettre des... On va leur faire une piscine avec des transats, 3 plantes. C'est marre. Tu me crois en toi, tu peux le faire. Oui, bien sûr. Je suis toujours là, mais dans l'ombre en ce moment. Ah, bah écoute, ça me fait plaisir que tu parles un petit peu, mais oui, ça va, ça va. Pas besoin de trop mettre de choses, perso, je mets les minimum, mais ils sont contents. Ouais, mais moi j'aime bien mettre plein de choses. Alors, on va déjà remonter un peu les fenêtres. Parce que j'avais pensé à virer des fenêtres. Mais je sais pas. Pour gagner un peu de budget. Genre ici, déjà en plus il y en a une qui est partie ou quoi, qui s'est fait la malle. C'est très mal foutu. Attendez, elle va le... Je suis paumée moi. C'est quoi ça déjà? C'est celle-là. Elle va le 70. 60. Ah. Ah, il y en a des moins chers. Je peux au moins remplacer celle de la cuisine. Histoire de gagner un peu de budget, mais vraiment pas grand chose. Mmh, mmh, mmh.
ukulélé, tout en restant à peu près dans le même thème que les autres. Ou alors, je change complètement les fenêtres de toute la baraque. Ce qui est pas demandé, mais... Enfin, celles-ci, elles sont à 40, hein. Ça ferait un gain... Elles sont moins grandes. C'est cuisine. Salut River Jazz, comment vas-tu? J'avoue qu'au niveau budget, c'est tendu. C'est juste assez pour les meubles. Bah, c'est ça. Tendu, Natacha, tendu comme une crampe. Ah, j'ai pas la ref. On fait tout pour compliquer la chose, team malveillante. Mais oui, les malveillants sont là. Comment il est en train de glisser, ce chaton. Je vous en raconte pas. 160... Qu'est-ce que vous avez en grande fenêtre qui coûte pas cher? Oh la vache. Eh, elles sont bien, les fenêtres d'écologie. Elles sont pas chères. Les fenêtres riades non plus. Bon, alors, elles ont rien à foutre là, parce que c'est pas du tout le style, hein. Ah non, mais là, je suis très chère, là, en fait. Dans la petite... je me prends déjà la tête pour des fenêtres. Mais... Hein, si je peux gagner un peu de budget avec les fenêtres. Mais regarde, mais celle-là... Si je remplace, là... Tac, tac, tac. D'ailleurs, je vais mettre le baby move object, évidemment. Hop. Si je mets ça là, je gagne, hein, parce qu'elles sont à 30 contre 70. Une piscine, une piscine. Je pourrais le faire. Hein. Après, ça coûte cher, la piscine. Hein. Attention, style de fenêtre. Ouais. Faut raser la maison et recommencer. Saison, c'est à 30. Ouais, mais il faut que ça vienne avec la décoration des îles. Bah non, remarque... Ouais, je sais rien, en fait. Octogone. Ils sont moches. La meuf qui se prend déjà la tête pour des fenêtres. Un chaton. C'est une de ses têtes. Il est content, il est avec sa mère, écoutez. Bon. Alors, ce qu'on peut faire. En tout cas, ici, j'ai envie de supprimer... Allez, on va supprimer les deux du côté. Au moins, j'ai supprimé deux fenêtres. Ça me paraît pas. Cuisine séjour! Oh my godness! Alors, qu'est-ce que nous avons en décoration des îles? Enfin, meubles d'îles, des îles. Afficher tout. Surface? Putain. Oh là là, 290. Pff, avec du jaune en plus. Écoutez, on va partir sur ça. J'en mets 3, j'en mettrai pas plus. Électroménager. Il n'y a pas de frigo. Non, il n'y a pas de frigo. Il n'y a pas de frigo. Ça va être tendu. Hein. Oh, les frigos sont tellement chers. La neige, ça fait île ou ça fait pas île? Il est pas trop dégueulasse, hein. Bon, par contre, on voit que dalle. Mettre de la lumière, je pense que... Moi, je vois déjà pas grand-chose. Alors, vous... Voilà, on va mettre un peu de lumière. On y verra quelque chose. C'est mieux, hein? Ne me remerciez pas. Non, non, c'est bon, ne me remerciez pas. C'est pas la même couleur. T'as pris les photos avant? Ben oui, Martial. Eh, Martial, il avait une fessée. Martial, il veut la fessée. Martial, il veut la fessée. Celle des îles, en plus, ça rend dans leur thème. Ouais.
On est d'accord, t'es pas forcé d'hésiter le... que t'aimes... Il... Non, mais disons que si t'en utilises, ils vont être contents, quoi. Ça va vraiment leur plaire. Pour une fois, je vais essayer, parce qu'en fait, la dernière fois, on n'a pas eu de style, je crois. On a juste eu des goûts de couleurs et le truc recherché débat, tu vois. C'est un peu nul à chier. Sachant que la toute dernière fois, c'était le truc où on a fait tout en noir, et alors qu'elle aimait pas le noir. Parce que nous sommes des thugs. Mais le pire, c'est être la gazinière. Eh ben, on va faire le trou dans le jardin pour la gazinière. Avec les îles. Mais il coûte 1000. Je sais qu'il coûte 1000. Parce que dans le Northern Lady, j'avais dû économiser pour lui racheter un truc. Hein. On leur met ça. Ça coûte 1000, hein, c'est cher. Coûte 1000. Ta-da-da-da-da-da-da. Et peut-être que ça marche, le barbecue. Attends. Ouais, mais du coup, ça me sélectionne tout, là. Ça va être chiant pour savoir... On avait dit quoi ? Pas électroménager, il n'y avait rien. Oh, des ventilateurs. Oh ! Ventilateur. On va mettre ça. Ça, on sait qu'on en mettra au moins un dans le salon. Buisson à pipi. Les buissons à pipi, ils aiment bien. Surface. Alors, ok. Ça coûte pas trop. Je vais essayer de faire un truc sympa. On verra après si je garde exactement. C'est dans le thème. On est sûr de pas se tromper. Un petit peu de clipping quand même, hein, les enfants. C'est pas mal. Ensuite, moi je vois bien. Ouais, c'est vraiment... Ouh, la vache. Ça, pour le salon. Oh là là. On n'a pas de gazinière. On verra si on a la thune. Pire, je mettrai un barbecue Salvadorada, ce sera très bien. Mets 2-3 îlots à côté du frigo. Bah dis donc. Bah s'il te plaît alors, non. Ça y est, on la perd, mais déjà de la décoration avec le budget lié pour affiner ça. Mais ouais, non, mais c'est justement pour voir si je peux me permettre de tout faire en vrai. Parce que là, si je commence à mettre les gros éléments, je vais pouvoir peaufiner, tu vois. Je prends déjà avec dans leur thème à eux. Je me dis, voilà, il faudra forcément après un canapé, tout le bordel. En plomberie. Ah, on a les petits éviers comme ça. Ça peut le faire. C'est dans les couleurs. C'est pas hyper cher, mais bon. Ok. En confort. En confort, nous avons pack des lits, heureusement. Nous avons également des canapés. Et merci beaucoup Miyako pour ton follow, bienvenue à toi. Est-ce qu'on peut utiliser le debug? Je pense. Ah ouais, les petits fauteuils comme ça, ils sont pas super chers. Du coup, on va prendre le canapé comme ça. Eh, mais il y a grave moyen de faire quelque chose en fait, regardez. Tout dans les trucs de... Oh, on pourra pas se louper. Hein. On pourra pas se louper, il nous reste 3700. Un tapis, 2-3 plantes. Ils aiment la chanson. Il faudrait un micro, du coup, vous pensez?
faut des chaises pour la table. Bien vu, l'aveugle. Ah, ils aiment bien. Bah, je préfère celle-ci, hein, en vrai. Vraiment, je préfère celle-là. Si je les mets en clair... Ah, mais là, je peux mettre en jaune. Je fais un combo ultime. C'est le combo ultime, ouais. T'as vu comme je suis forte, t'as qu'à bien me payer, ouais. C'est bon, ça. Je peux mettre la version jaune, mais c'est pas très très chouchou. Non, je vais rester là-dessus. Non, mais... T'as vu ou pas? La classe ou pas? Bon, il fait un peu dégueulasse, hein, comme ça, tout seul, lui. Si je suis bien... Hein. À partir sur quelque chose comme ça. Il faut du jaune. Bon bah écoute Toundra, je respecte, je respecte. J'ai vu le jaune, je le fais le jaune. Et salut Valushkaya, comment vas-tu? Ah pas de soucis, t'inquiète, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez des impératifs dans la vie, y a aucun souci. Hein. Je le comprends, je le conçois. Pas de problème. J'espère que tu vas bien. Il a une de ses tronches hein, quand il dort à moitié. Il est en train de valdinguer dans le tréfonds de... Il est pas... C'est juste pas possible. Hein? Bah oui! Un chaton! Petit cœur. Bon, je pense qu'on va réussir à faire quelque chose, en vrai. Est-ce que vous pensez que pour la chanson, il faut qu'il y ait... Bah, de toute façon, je suis con, j'ai qu'à cliquer dessus. Non, pas il. Chanson. Ah, oh, une machine à karaoke. La machine à karaoke. Bon, elle coûte presque 900. Le micro. Alors, il faudra savoir. C'est, est-ce qu'on met une gazinière? Et un micro? Ou on met la machine à karaoke? Et pas de gazinière. On aura déjà un lavabo, je pense que c'est déjà pas mal. Parce qu'en vrai, pour se laver les mains. Mais là, ils peuvent pas cuisiner pour l'instant. Parce qu'en vrai, là, je mets la cuisinière là et on a une belle cuisine. En vrai, c'est une belle cuisine, wesh! Attendez! Je suis trop fière. On se voit qu'une conseillère bancaire qui nous met en retard pour le crédit en donnant des offres de prêt avant 6 juin. Ah, ça pue! Ah non, mais les banques... moi, ils m'avaient aussi fait le coup. En plus, c'était en fait, c'est parce que j'étais en fin d'année, genre fin décembre et tout. Et ils voulaient pas faire de simulation des trucs et tout, parce que en gros, ils disaient « Oui, mais vous voyez, ça va changer le 1er janvier. » Je suis « Oui, mais moi, je dois rendre un dossier là, quoi. Enfin, » avant... Putain, j'avais réussi à faire à négocier un report pour pouvoir avoir les papiers, parce que j'étais dans la merde. Mais ça va, ils ont été cool. Sinon, je ne serais pas ici. Bon, alors, on y retourne à nos moutons. On va mettre du jaune. Ah, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas de jaune. Dans le canapé, il n'y a pas de jaune. Ah, non. Ah, je suis tristesse. Attendez, on va retourner dans les... Qu'est-ce qu'il y a, mon biquet? Oh oui, t'es tristesse. Ah, celui-là, il a du jaune. Oh, bah je vais mettre celui de Salvadorada. En vrai, c'est pas celui qui me plaisait le plus. J'aurais préféré mettre celui-là. Bah lui, il est bien, mais c'est pas... T'as le jeu de base. T'as lessive.
movie. T'as la belle vie, toi. Ah, il y a ça aussi. Mon cœur est complètement brisé. Qu'est-ce que je choisis ? Oh là là. On est triste quand même, hein, chaton. Ils peuvent toujours se faire des salades avec le frigo, j'avoue. Ah bah oui, une salade et des salades de fruits, tout à fait. Ils aident quand même beaucoup pour les goûts des clients. Bah, ça dépend. Après, tu vas tomber sur des... Tout à l'heure, j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui avait le... n'aime pas le rouge, n'aime pas le violet, aime le rouge. Tu n'aimes pas le rouge, mais t'aimes le rouge. Tyrion. Bois pas le lait. Bon, par contre, Bichette, si tu te réveilles, tu restes pas là, en fait. Hein ? À un moment donné, tu vas pas pouvoir me déglinguer le t-shirt comme ça. Hein ? Je vais te poser, tu vas aller faire ta vie avec Titi. Allez, au revoir les abonnés. Non, je vais rester avec maman. Oui, mais maman elle travaille. Ouais. À tout à l'heure. Oh, il est trop mignon. Oh là là, c'est dur la vie de chaton. C'est trop dur. Allez, hop. Il a fait un petit somme sur moi, ça suffit maintenant. Ouais, je l'aime bien, mais quand même, hein, casse les couilles. Ah bon, je suis emmerdée pour le canapé. Hein. Je vous le dis tout de suite, je suis pas fan du coloris jaune, enfin pseudo jaune. Je vais y arriver, à cliquer là. Je trouve pas... C'est pas jaune pour moi. Oh. Ça y est, ça commence déjà à râler, là. J'entends Tyrion qui grogne. Okay. Ou alors celui-là. On m'avait dit... C'est jaune. Ouais. Il le considère pas comme jaune, ce canapé-là. D'accord, c'est ce que je voulais voir. Ce que j'aime bien avec l'espèce de rouge, mais pour lui, le jaune, c'est celui-là. Un nouveau locataire, un nouveau bébé. J'ai accouché. Ça va bientôt faire un mois que j'ai accouché de ce petit enfant. Dans 2 jours. Bon, je suis Confucius. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que je prends comme canapé en vrai? Là, je suis perdue. Hein, qu'est-ce que vous pensez? Franchement, je suis pas en balade. Pour l'instant, au niveau du jaune, on a que les fauteuils là. Enfin, les chaises. Le reste, je suis pas en balade par le jaune. Hein. Alors, est-ce qu'on reste dans les îles ou est-ce qu'on on prend un canapé qui n'est pas du tout île? Parce que ça, c'est... Oh là là, regardez, celui-là, il est beau. Avec les coussins noirs, je préfère les coussins noirs. Il n'y a pas de coussins noirs. Le jaune, blanc et bois clair à gauche. Celui-là, mais c'est gris.
Ah oui, c'est quel? C'est Selvadorada. Enfin, dans la jungle, moi je l'appelle Selvadorada. C'est comme Sulani, je l'appelle Sulani au lieu de dire Paradisiac. Ça va, les griffes ne font pas accrocher ton... Non, non, ça va, non, c'était le décolleté, hein, surtout le seul jour où il est arrivé, hein, la vache. Ça va mieux maintenant, il me laboure moins le décolleté, il s'est calmé là-dessus. Si tu en mets un de couleur simple et de vide, et avec un tapis jaune... Ouais, c'est ce que je pensais, de toute façon, faire un tapis jaune, ça c'est clair. Parce qu'en tout cas, on pourrait partir sur celui-là, également. Parce qu'il n'est pas jaune, mais on pourrait relever la couleur. Ah, mais il y a ça ! Attendez, est-ce qu'il le considère comme jaune, celui-là ? C'est pas orange ? Ah, non. Non, non, il le considère pas comme jaune. Ah ! Quel jeu de mort ! Et ça aussi, t'as un peu de jaune, quand même, non ? T'es sûr, le jeu ? T'as pas envie ? Oh, salut à Talking of Pam, comment vas-tu? Merci, j'ai eu peur, hein, encore une fois. Merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. Gros bisous à toi, Smiley Boulu. Comment vas-tu? Comment ça se passe? Agent 21, QQ, agent 21, QQ, agent 21, QQ, agent 21, boule. Vous êtes plus sur celui-là, quoi, Salvador. Pas ceux de Sulani, en tout cas, ça va pas avec. Bon, bah. Ça va pas du tout avec le bois. Je suis tristesse éternelle. Regardez lui, il est tellement beau. Oh. Oh, ça, tu me manques, petit canapé. Il faudrait que je te mette partout. Ah oui, je l'aime, ce canapé. Je suis en amour de ce canapé. Bon, alors. Nous allons prendre le... Soit la causeuse, soit... Ah, il y avait ça aussi, hein, qui collait bien. C'était jaune. C'était pas très heal, mais c'était jaune. Là, on essaie de faire des combos ultimes, quoi. Le jaune plus le truc. Ouais, c'est ça, on essaye de faire les combos ultimes. Nous, on est comme ça. T'as eu peur de quoi? Rien, Marine, rien. Rien. J'ai des peurs comme ça, subites. C'est parce que j'ai des fantômes chez moi, c'est pour ça. Je me réveille la nuit en sursaut et je... Et je me dis non, c'est bon. Ce que j'ai entendu, c'est pas le gling-gling de l'abonnement. Tout va bien. Moi, je trouve pas. Alors... Faire le fauteuil là, comme ça. Ça colle pas. Oh bah ça. Ça colle pas. Ah, oh, on a ça. On a déjà fait du jaune en plus l'autre jour, c'est chiant quoi. Mais c'était dans une chambre. Ça va super et toi? J'ai peut-être une offre emploi en Normandie, tu n'es pas là-bas toi? Sinon, moi, ça va super, agent 21 QQ, agent 21 QQ. Ouais, ça va super, mais c'est cool. Mais c'est... Non, non, moi, je suis pas en Normandie. C'est mon amoureux qui est en Normandie. Non, non, moi, je suis dans la ville la plus adorée de France, évidemment. Celle que tout le monde aimerait y vivre. Oh. Eh ben, tant pis. Vous savez quoi? Moi, je vais le mettre. Je vais mettre ce fauteuil et ben si vous aimez pas, et ben vous êtes des méchants. Vous êtes des tricheteurs. Peut-être que je l'enlèverai dans 5 minutes, mais pour l'instant je le mets quand même. Alors, c'est bon, on va continuer. Un tapis. Alors faut refaire le sol, tiens. Alors pas en jaune, hein. Je vais faire île par contre. Ah oh oui, je l'aime tellement ce plancher de Salvadorada. Oh là là, ça sublime tout. Il n'y a pas de carrelage qui va avec les îles. Ah, du sable pour la cuisine.
Putain, c'est trop fort. On devrait se faire un tapis de sable. Ils peuvent que kiffer, regardez. Un tapis de sable. Non ? Tire à sortir. Du coup, comment ça tire à le sortir ? Dis donc ! Non mais tant mieux que t'aies trouvé quelque chose. Tant mieux. Eh mais on peut mettre ça, je l'ai jamais utilisé. En noir. Ah, je sais pas. Ouais. Ouais. Écoutez, on essaye de faire ce qu'on peut. Hein. Voilà, le budget est atteint, comme la tarte. Oh, dis donc, elle était bonne celle-là. Je l'avais jamais faite, tu vois. Elle est sortie toute seule comme ça, et je la valide. Je la valide parce que c'est ma vanne à moi. Ça aurait été celle de quelqu'un d'autre. J'aurais dit non. Oh, j'aime trop. Plus dans le sable, t'as les marmots, ils peuvent y jouer. Je suis pas sûre que ce soit dans ce sable-là. Pas sûre du tout. Ils considèrent ça comme un tapis des îles. Enfin, il est méga... Ouais, non, ça fait quand même très grand. Quand même... Hein ? Ah, les Salvadorana, ils sont bariolés, hein. C'est... C'est pas centré. Enfin, c'est pas centré avec la table, et ça me stresse. Mais du coup, ça fait trop loin du canapé. La relou, c'est moi. Bonjour. Mais là, ça fait trop près, la table. Ça ne va pas. Une grenouille. Jaune. Aïe, 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 aïe. Pourquoi habiter si loin de ton chéri? Ah, ça, c'est la vie qui a fait que... C'est lui aussi, il veut pas venir là. C'est à lui qu'il faut s'en prendre. Hein. Je lui ai dit 15 000 fois de venir. Bon, alors, combien il m'a coûté? Dis donc! Mais j'aime bien. Donc je vais le laisser. Mais il m'a coûté bonbon ce tapis... Alors déjà, dégage, parce qu'il faut que j'y voie quelque chose. Toi aussi? Non, toi, dégage. Ah. Ah ouais. Bon, il y a des petits bugs quand même. Hein. On va se le cacher. Ça, je mets pas dans l'autre sens. Ou si... Si je le réduis, ça devrait être nickel, non? Ouais, moi je fais des micmacs, là, je me sens. C'est... Bon, Hein? Bah non, là, tu vois, finalement, je me dis que dans l'autre sens, c'est mieux. Je vais y arriver, là, comme ça. Ça, comme ça. Vous me dites, mais qu'est-ce qu'elle est folle, celle-ci? Je dirais, mais oui, mais je vous l'ai déjà dit. Eh, on fait nos tapis qu'on veut.
je suis née au bord de la mer, mais la vie a fait que l'amour d'une personne est le plus important agent 21 boule. C'est trop mignon. Ouais, mais tu sais, nous, c'est platonique surtout, donc. Donc voilà. En principe, faut pas toucher au sol. Ah bon ? Oh bah écoute, c'est trop tard, Anne, parce que moi j'adore ce sol, donc je me lâche, tu vois ce que je veux dire ? Tant pis, hein. Ah bah j'ai mis le budget, j'ai changé le parquet. En même temps, il était dégueulasse, ce parquet. On va pas se mentir. C'était à vomir. Dire que je m'en prends la tête. Eh ben franchement, j'aime bien le rendu. Certes, c'est pas nickel, parce qu'on voit les petits machins. C'est pas mon chaton dont je parle, c'est... Mais j'aime trop, en fait. C'est presque bien, quoi. Le problème, c'est que dès que tu touches un truc... Oh, bah comme ça, ça passe. Là, il y a un décalage. Parce qu'en fait, j'ai bougé celui-là. Mais en fait, leur design, il est pas normal, hein. Parce que si tu mets celui-là, et ben après ils sont décalés. Donc ça va pas du tout, hein. C'est pas égal tout ce bordel-là. Qui c'est qui a fait ce tapis qui a chié dans la colle, quoi. Faut le virer, hein, les Sims, là. Je vais envoyer un mail à Frost, moi. Enfin, même pas. Je vais lui envoyer un DM. Ça, c'est mon pote. Il me follow sur Twitter en plus, qu'est-ce que tu crois? C'est trop mon pote. Je dirais oui. Yo Frost, someone did really really hard shit with his carpet and this is not okay because it's not in the same lines. So it is very good shit, very bad shit. Sorry. So you have to fire him now. Merci beaucoup, Juan, pour ton follow. Bienvenue à toi. Relation platonique, bien sûr. Les pizzas sont là. Mon Dieu. Des bisous, Andine. Ciao. Et bon app, surtout. Bon, bah ça, je vois que vous triquitez pas trop, donc ça va. En même temps, si vous triquitez... Vous connaissez votre sort. Vous vous souvenez mardi là, on a fait une mission, il y en a une qui a pas aimé, hein. Voilà, bah, ce sera la même chose si vous aimez pas. Allez, il reste 2000. Au pire, je supprime un comptoir. Hein. Je pense qu'il y en aura largement assez. Même un seul, c'est largement assez. Mais bon, c'est pour habiller la... Platonique depuis longtemps. Oh, bien sûr. Depuis le jour où on s'est rencontrés dans ce chat. De très très grande qualité. Mais... Pourquoi j'arrive plus? Comme ça? Mais... Pourquoi je sais plus? Pourquoi il veut plus mon clavier? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais quoi? Oh bah dis, c'est la meilleure, ça. Attendez. Oui. Alors, j'ai oublié de mettre sur pause. Ah bah, d'accord, tout est normal. Ah, c'est... Oui. Oui, d'accord, les Sims, oui. On va mettre ce papier peint. Ça marche pas. On se demande quel idiot qui a pas pensé qu'on pouvait coller et taper un motif. Bah pour celui qui l'a créé, hein, déjà.
Martial, regarde si c'est pas des insultes qu'il est en train de dire. Hein. Si, mais dire Roputo, c'est pas bon ça, mon petit. Hein. Faut que tu peux le ban, s'il te plaît. C'est pour ça que je dis rien, mais surtout ce que je vois que personne ne dit qu'il n'aime pas comme moi. T'aimes pas le tapis, mais Toundra, mais sérieusement. C'était pas le petit vilain. T'es pas un vilain petit canard, hein, mais. Mais pourquoi t'aimes pas ce que je fais? Oh! Je suis tristesse d'une, moi! Ah non, je vais encore faire de la merde avec le carrelage, je le sens. Ça me fait dans une mission le problème du papier. T'aimes beaucoup les tapis? Merci beaucoup, Caroline, c'est gentil. Bah, ça change vachement. En plus, comme les canapés sont très... Ils sont sans motif, je trouve que ça fait ressortir encore plus, quoi. Je trouve ça super joli, moi, perso. Moi, je peux plus faire le... C'est trop nul. Mais c'est trop nul. Faire de budget. Ça va, c'est pas cher, cher. On va mettre le carrelage de Riyad. Non? Je sais pas si ça va coller. Bah, ils ont pas de préférence de carrelage, ils m'ont dit. Donc, est-ce qu'on a du carrelage jaune et rouge à petits pois? Ça va jurer un peu. Le carrelage de Riyad. Où es-tu, mon petit Riyadou? Ici. C'est jaune et vert. Ah, tristesse. Voilà. Ça, mais c'est moche. Merci Martial pour le ban. Tu sais, ils en profitent qu'on connaisse pas la langue et tout, et puis ils insultent, quoi. Mais bon, le mot plutôt, ça va, je sais encore à quoi ça ressemble en français. Je suis pas encore trop paumée dans les langues pour pas comprendre ce genre de trucs, hein. Ouais, ah, car là, j'ai plus du cul. Pas pouvoir faire de jaune. Ah, ça pue. Ah, ça faisait longtemps, tiens, les voisins qui font de la bouffe et que ça chlingue. Ça faisait longtemps que je m'étais pas plein de ça. C'est quoi, je vais regarder avec couleur, ça ira plus vite. Ah bah dis. Ah, celui-là. Après c'est bleu, hein. Mais il n'y a pas grand chose. Là, 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 là. Et les Sims, il faut penser à nous mettre du contenu là. Jaune du coup, hein, le contenu. Je suis pas fan. Il nous reste 2900. On n'est pas encore trop paumé. Je pense que ça vire. Ça va être vide, hein, comme maison. Je vais pas vous le cacher. Ah, surtout là, si je prends la gazinière. Oh, ou alors on prend un four comme ça. 580, ouais, ça fait la gazinière miam d'occasion. Mais elle est jaune, hein. Elle est pas chère. Oh, pas de soucis, merci. Toi non plus, t'aimes pas le tapis. Ton premier ban, c'est vrai, t'avais banni personne. Oh. Allez, fais-toi plaisir de bannir quelqu'un d'autre au hasard dans le chat. Vas-y. Tu fais ça dans la liste là et puis tu bannes. Bon, deux minutes, mais tu bannes. Bon, je pense que je vais mettre cette gazinière. Elle va rien avoir avec les autres trucs, mais.
Elle est pas très chère. 600 par rapport à toutes les autres qui veulent un bras. Ou la plaque à induction à 580. C'est moche. Mais c'est jaune. Au hasard marine. Oh merde! Ah dis donc, ma pauvre. La pauvre Marine. Oh. Au revoir Marine. À la prochaine fois peut-être. La pauvre. T'es vraiment malveillant, hein, Martial. Sache-le. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. Oh, ouais. Bon, allez, je vais me dépêcher un petit peu le gnon, moi. Alors, je vais mettre un frigo en bois à côté d'une gazinière, ouais. Ouais. J'ai peur de rien, c'est affreux. C'est dégueulasse. Non, c'est pas possible, je peux pas laisser ça. Oh là 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 là. Ah, c'est pas beau, hein. J'essaie de faire un combo parfait, mais c'est moche, hein. Oh, my goodness. Alors, on avait du jaune ici. C'est moche, les Sims. Oh. Oh. Oh là là, vache, ça coûte cher. Oh là 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 là, ça coûte cher. Oh là 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 là, ça coûte cher. Ah, ça pue. Oui, eh, il reste 2500. On a mis l'essentiel. Ils peuvent pas dormir, ni pisser, ni se laver. Mais ils pourront manger. Et ce... Bah, y a un canapé. Ils peuvent dormir dans le canapé. C'est pas un souci. Est-ce qu'on fait de la déco, des rideaux? Ou on met une télé? J'ai envie de dire. Ça coûte combien, ça? 95. Ouais. Avant de penser style, Shirley, regarde les prix. Mais ce qu'il y a de moins cher. C'est bien ça. Ouais, c'est moins cher, hein. Et ça, 35 les rideaux. Oh, il y a du jaune en plus. Oh, mais oui, mais oui, mais oui. Mais quelle affaire. Oh là 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 là. Je peux même habiller les fenêtres d'en face. Bon, à voir, hein, si j'ai... Merde, Mais pourquoi je les mets à côté, mais... Viens là, Jacqueline. Oh, bah tiens. Ouais, va dans le jardin, t'as raison. Ça pue. Je comprends pas les gens qui cuisinent que ça pue comme ça. Eh! Eh, ça fait habiller. C'est-à-dire que t'auras pas forcément de télé. Ah, il faut leur truc de musique. Quoi, je vais essayer de caser le karaoké quand même. Regardez là! Comme ça, ils sont là, ils se regardent. Il y en a un qui chante, les autres ils regardent. Mais on y arrive, les enfants, on va y arriver. C'est long, c'est chiant, mais on y arrive. Ça fait déjà 54 minutes, mon dieu. J'ai pas vu le temps passer. En si bonne compagnie. La TV, bah... Il y en aura peut-être pas, hein, de télé. Hein. Salut, médecin! De l'hôpital! Il n'y a plus d'alerte Q-tip. Ben, si, si. Mais c'est que c'est pas... Qu'est-ce que t'as encore fait? Ah non, hein. C'est King of Pom, on est d'accord, là. Que j'ai envie de le taper. Bah non, remarque, c'est pas le même. Oh, mais je sais plus, mais comme vous étiez toutes les deux à faire ça.
Karaoke ou micro, bah oui. Comment ça se fait que t'as un si petit budget? Parce que t'as un budget, Sianana, pour refaire la rénovation. T'as 8240 de budget. Je pense que je vais virer encore les fenêtres. Eh ben, on fait ce qu'on peut, hein, avec le budget qu'on a. Hein. Je fais ce que je peux. Bien sûr, je vais mettre des plantes. Vous croyez quoi? Regardez, il y a des... Oh, on peut mettre des plantes comme ça, directement. Un cocotier dans la maison. Pardon, ça me fait rire, c'est complètement débile. Oh, ils aiment bien. C'est vrai qu'on n'a pas mis la lumière. Eh, ambiance garantie, moi. Une bougie. Ça fait tout le taf. On peut mettre ces fenêtres-là. C'est bon. Ah, ils aiment bien... Ça... Oh oui, ça c'est... Oui, t'as raison. Ça, c'est une plante des îles. 60. Nickel. On va la mettre là. Ah, ça, ils aiment bien aussi. Ouais, mais c'est cher. Celle-là, je vais forcément la mettre parce qu'elle habille complètement... N'importe quelle maison, recoin, tout ça. Ça habite complètement. Donc je vous les conseille. Ça va être horrible, hein, parce que c'est tellement vide. J'ai envie de virer une fenêtre. Hein. Même deux. Je vais mettre ça ici. En espérant que ce soit un peu plus clair comme ça. Ça, on essaie vraiment de faire du 100% là. Salut Fanny, comment vas-tu? J'y ai pensé. Ah, à King of Pom? Des bisous King of Pom, des bisous. En plus, t'es encore là. Je sais plus à qui je parle, moi, à bout d'un moment. Je ne sais plus qui est quoi. Et oui, Sianana, il y avait rien. Regarde, le reste de la maison est complètement vide. Du coup, bah, c'est un peu compliqué. Et puis en plus, les abonnés sont sadiques, ils ont choisi le séjour, donc cuisine-salon. Donc niveau budget, je m'accroche, quoi. Je pense que je suis déjà contente de ce que j'ai réussi à faire. Ah oui, cette plante-là, elle est bien. Je ne vais pas vous le cacher. J'en suis plutôt contente, mais... Ça reste quand même chaud, patate. Il faut la poubelle. J'allais encore oublier la poubelle. Personne m'a dit qu'il fallait une poubelle. Les abonnés, vous allez oublier la poubelle. Vous savez très bien que j'oublie toujours la poubelle dans la cuisine. Ouais, j'aurais mis deux plantes côte à côte. Je pense que ma vie est complète. Il reste encore 1000 simflouz. Ouais, il n'y a qu'une poubelle à 1000 simflouz. C'est cher quand même. De toute façon, ils n'auront pas de télé. Hein. Si je veux remplir un tantinet les décors, il n'y aura pas de télé. Hein. Ça, c'est clair et net. Ah, un petit peu de décoration. C'est un peu gros. Une petite plante. Non mais les plantes, c'est ce qu'il y a de mieux pour décorer et meubler en même temps. Hein. Après là, ça fait un peu... on a mis une plante là pour combler les trous. Il n'y a même pas de décoration sur les murs, il n'y a rien. Ah, c'est l'heure de la pub, 16 ans de mariage, plus de capote. Hein? Pourquoi je lis ça, moi? Pourquoi je lis ça, moi? Le premier truc que je regarde. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Une poubelle, merci Marine. La poubelle dans la cuisine. Ah bah oui. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a une poubelle. C'est une poubelle magique en plus. Ah. Sérieux, ils ont pas d'autres coloris que ça? Mais ça va pas du tout. Je vais le mettre là.
En vrai, elle sera blanche, hein, parce que franchement, c'est pas beau. Hein. En vrai, quand on regarde le coin salon, ça donne super bien, mais la cuisine dépareillée. Ben non, mais ben je parce que ben oh, ça suffit. Toundra, tu me refais exactement la même chose avec le même budget, avec les mêmes contraintes. Et on en reparle. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je regarde vos DM, là. Vous deviez refaire dans le manoir, je crois. Non, c'était pas dans le manoir d'Iowa, c'était dans la maison hantée. Qu'il fallait vous retravailler le palier. J'ai toujours pas eu de proposition. Hein? Ah oui, moi je m'en souviens. Et bonne nuit, Volushkaya! Et bon courage à toi. Je m'en suis des pubs, les pauvres, il faut avoir une minute trente... Ah merde, sérieux? Ah oui? Eh ben écoutez, ça va être la pub. 30 secondes, on va commencer parce que ça a été demandé 30 secondes. Je remercie bien sûr tous ceux qui regarderont la pub. N'hésitez pas à mettre un petit comme quoi vous en avez vu, vous avez vu des pubs. Quoi. Oh, je vais y arriver. Et on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Parce que je me dis avec le décalage, j'attends toujours un petit peu. J'aime trop le salon, il est trop cute parce que c'est celui qui, c'est, il est quand même beaucoup plus rempli que le reste. 797. Ça va, c'est pas la... Ah, j'ai acheté quoi qui coûte cher? 305. C'est une arnaque. C'est une arnaque cette plante. Et merci beaucoup la relation platonique pour ton follow et bienvenue à toi. Qui troll est en train de troller là? Faites gaffe hein. Je peux avoir le ban facile si je veux. Faites gaffe hein, à votre cul hein. Faites gaffe hein. Je suis sympa comme ça mais de loin. N'oubliez pas que je suis malveillante. Eh oui, mon petit. Ah, le gouvernail du capitaine, il est... Mais ça, regardez, c'est cute as fuck. On peut l'agrandir, c'est jaune et en plus c'est des plantes. On va le mettre là. Celui-là, il manque cruellement de quelque chose, donc on va le mettre là. Voilà. Oh, que c'est beau! C'est très très gros. Hein. En même temps, ouais. J'ai été démasqué. Oh purée. Mais non, mais moi ça me fait des faux follow, tu vois, des faux followers. Je suis pas forcément fan, mais c'est gentil. Merci. Tu sais, je suis pas ce genre de personne qui dit « Allez, créez-vous 40 comptes et followez-moi tous, ça me fera plus de un nombre plus grand. » Je suis pas très comme ça. Oui, en plus, c'était facile à deviner, j'avoue. Le panier en osier. Du thé et des larmes. Boîte de rangement, qu'y a-t-il dedans? Et en plus, il y a du jaune et du saucisson. Ma petite chanson. On rajoute du bordel. Hein. 30 simflouz. Oh. Oui, je sais, ça aurait rien à foutre dans la maison. Je suis d'accord. Je voudrais rajouter... Je suis chiante. Je suis très très longue. C'est un enfer. Parce que comme je compte mes sous, je voudrais pas me louper. Ah, que c'est laid. Ça se voit que c'est les premiers trucs. Hein. En plus, c'est plus orange que jaune. On va les mettre en blanc, c'est très bien. Voilà, ça habille un petit peu. C'est pas fameux, je suis d'accord. Hein. Alors là, mon Dieu, je n'ai pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je fais ce que je peux et ce que j'ai. Une petite corbeille de fruits à 270 simflouz.
Un sol vert extraordinaire. Oh, que c'est joli. Ah bah, pourquoi s'emmerder, voyons. Une petite canopée, mes enfants. Un petit paravent sophistication. En vrai, il pourrait faire l'affaire entre les deux espaces. Ou bien ici. Voilà. On se prend la tête. Regardez le petit voilage là. Oh, le petit voilage. Mais que c'est. Mais c'est trop cute. Eh. Eh. Attendez, que je le place comme il faut. Dites-moi que c'est pas le salon rêvé, ça. Regardez. Oh, ça rend trop bien. Mais j'aime trop. Je suis folle. Est-ce que c'est moche? Ou est-ce que je suis bizarre et que vous trouvez ça moche? Ou est-ce que vous kiffez comme moi? Mon mamie Yoda, elle aime pas. Ah, ce jour ne semble pas parler de la relation avec Martial ou attendre vos relations. Je dois faire quelque chose, vous devez vous retrouver. Bah, mais c'était prévu. Malheureusement, nous avons eu quelques contraintes. Ah, vous aimez bien aussi? Mais c'est super mignon, hein. En vrai, même à l'intérieur, je trouve ça super... Ça fait un cocon, quoi. Oh, c'est trop sympa. Après, ça tombe pile devant les fenêtres. Du coup, on va peut-être pas... Mais c'est une idée. J'ai envie de dire, c'est une idée. Pourquoi pas. Je vais enlever les lumières. On va essayer de trouver des lumières qui pourraient aller. Oui, les lumières de l'île paradisiaque, évidemment. Ah, il y a ça aussi. 155. Ah, elles sont chères! Alors que la petite bougie, j'avoue, c'est pas trop. Bah super, on va mettre cette lampe là parce qu'elle fait con... elle fait partie de... de ce qu'ils aiment bien. Donc c'est nickel. Je vais peut-être bouger une plante du coup. Parce que là, tac tac. On va en mettre une là. Elles sont à combien? Ouais, c'est cher quand même. Hein. Oh, déconne pas. Oh, oh. 105. Table illuminée. Merde, j'aurais dû mettre ça. Elle est grosse quand même, hein. Attendez. Je rêche les fissons. Lanterne en papier. C'est de la merde, ça. 215, ouais. Là, on est à la fin du... budget. Je pourrais pas faire mieux. Bon, le chat veut balancer que pour une fois, je suis d'accord avec eux. Visage avec des larmes de joie. Agent 21, boule donc, voilà. Le plafond est trop bas. Oui, j'avoue, Mamie Yoda. Mais c'est une très bonne idée, je veux dire, j'aime bien. Mitundra, elle aime bien. OMG. Il faut marquer ce jour avec une pierre blanche, tu sais. Par contre, je veux tenter le frigo en blanc. Bah oui, mais... Attends, on va déjà mettre une lumière. Après, on revient dessus si tu veux. Oh, je suis emmerdée, hein. Ça coûte cher quand même. Mais je pourrais... Ah pareil, le plafond il est... le plafond il est trop bas, regardez les lampes. Ça, c'est hallucinant. Bon, bah, on va faire comme ça. Hein. Oh là là, 277. J'ai R comme budget. Est-ce que j'ai mis un truc de trop, vous pensez? Là, c'est vide.
C'est archi vide. Moi, je vais mettre les plantes là. Oula. Comme ça. Ça passe, hein. Bon, c'est un peu perdu comme ça, mais... Bon. On peut pas faire plus, les enfants. Voilà, comme ça, c'est marqué. Même dans la rediff, ils sauront. C'est ça. Et alors, est-ce qu'on met en blanc? On peut mettre un autre frigo, hein, en vrai. Si ça te perturbe tant que ça. On met un petit. Pas en jaune. Hein. Ah si, il y a 1750 et lui vaut 800. Donc je pourrais pas rentrer dans mes frais là. C'est pas possible. Je peux pas prendre le charme rustique. C'est celui-là ou moins cher? Ou l'aigu frais. Ouais, sexy, hein. Oula, fou. Regarde-moi ces traces. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'on change de frigo? C'est ce que je regarde, mais en vrai, je... Eh, non. Si je change de frigo, je dois supprimer d'autres choses. On peut essayer de supprimer une des deux étagères. Je sais pas, c'est... Je peux te mettre celui-là. Le distributeur de tonifiant tiède du docteur Douceur. Oui, non, je suis d'accord. Moi aussi, je suis pas très très fan de la cuisine. Mais... Est-ce qu'on a vraiment le choix? Tu dis ça aux Sims, hein, ils ont fait une couleur trop foncée. Hein. Après, ça s'accorde pas avec le truc. C'est escapade, donc c'est pas la même chose. Tu vois. Mais bon... Je suis pas fan non plus, hein, je te rassure. Parce qu'après, j'ai mis cette couleur-là. Si tu veux, on peut essayer de... Mais c'est pas le même pack, donc de toute façon, ça s'accordera pas. À moins que je mette tout en blanc au niveau des meubles et tout. Hmm. Et cette gazinière, tu vas me dire qu'elle va pas du tout en blanc. Voilà. Par contre, lui, ça, il n'y a pas en blanc. Pff, non. Je vais laisser comme ça. Et lui aussi. Hop, il retourne sa couleur naturelle. Enfin, naturelle. C'est un lavabo, d'où il est naturel dans sa couleur. Après, moi je me serais plus attardé à mettre le micro et profiter des sous pour une chouette cuisine. Mais bon, la cuisine c'est important pour moi. Je me sens seule à mon délire. Oh, mais non, mais arrête! T'inquiète. Mais ouais, mais bon, c'est mieux ça. T'as la musique qui va avec. Oh. Vous pensez la même chose, les enfants, ou c'est juste Mademoiselle Tundra qui. Hein? Qui en kikine? Qui en kikineuse? Qu'est-ce qu'on aurait en décoration? En décoration... On n'a que des plantes. On a du bougainvillé. On peut mettre ça à l'intérieur, ça peut être sympa. Je peux... On va remettre des plantes. Hein. Je pense que... On peut se permettre, ça va combler un peu les vides. Le vide. Ah, nous avons ça.
également. Tout à fait. Oh, 440. Merdasse. 17 simflouz. Je peux mettre une crème solaire. On va mettre le pot de crème solaire. Tenez, petit pot de crème solaire là dans la cuisine. Salut Coralie, comment tu vas? Non vas-y Valide, c'est moi qui chagrine ce soir. Mettre une séparation entre la cuisine et le séjour, soit un bar ou des îlots. Mais oui Paulinette, mais avec quel argent? Comment ça, Anna, à partir de 23h? Hein? Comment? Comment? Oui, je contange. Allez! Il reste 9 simflouz. On peut mettre des quests. Des quests. Des quests enfouis! Dans le rivage, sur le parquet. Bon bah allez, vas-y. Vas-y. Allez, moi je valide la cuisine. Ok. On avait fait une photo. Photo après. On avait fait là et là. Et ici, je crois, je sais plus. Alors, tu vas aller dans les plantes déjà, mon petit. Oh oui, oui. Ça... Mais pourquoi il a les portes ouvertes? Attendez. Voilà. Maintenant tu peux faire une photo. Non mais avec la porte ouverte quoi. Ah, tu me demandais ce qu'on en pensait. D'accord, ouais. Je vois très bien. Bon, ça fait vide. Hein. C'est très vide. Mais... C'est joli. J'avais fait une photo là aussi. C'est moche. J'avais fait quoi? Est-ce que j'avais fait une photo là? J'avais fait une photo ici. On va faire une photo. Regardez, avec le peu de meubles qu'on a, on va les mettre dans le cadre quand même. Et puis tant pis, je vais mettre le salon. Voilà. Voilà. On va révéler l'espace. Révélons l'espace. Ah oui, il faut que j'aille dans... On va appeler Florent. On va dire au client de revenir. Ah! Alors ça, c'est ça. Là, c'est là. Et ça, bah... Ouais. Ça va, les photos, elles rendent bien. Parce qu'en fait, on voit pas les côtés. Donc ça. Et ça. Ça, c'est ça. Ouais, c'est pas grave, je prends ça et ça. On va y arriver. Oui. Regardez ce qu'il y a en face! C'est mon restaurant! Ouais, je l'utilise rarement, c'est restaurant salvadoradien, hein, ça se voit. Il y a un Speedwheel dispo sur la chaîne YouTube et il y a aussi dispo sur la galerie. Voilà, c'est le seul restaurant que j'ai fait, hein, donc c'est pas compliqué à chercher. Bah alors, ça marche pas? Il le fait pas? Je comprends, je sais plus comment on fait. Ah oui! J'aime bien quand il y a les petites lumières. Je sais, j'ai déjà fait une miniature avec. Je m'en fous! J'aime bien les petites paillettes.
Je pense à ma miniature. Hein. Bon, je pense qu'on n'aura encore pas du tout une fois la... Le avant-après, là. Si ? Non ? Si, ça y est ! Waouh ! Wow. Bravo, Kelyak. Ah, ça le fait quand même, hein. C'est quand même mieux, hein. Jouer, attendez, je me refais, j'avais pas vu. Waouh. Incroyable, Duchelu. Oh oh. Tu te fous de ma gueule, meuf. On a fait 100%. Ah, j'ai... Ah, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Alors, il va frimer avec quoi? Il faut que ce soit quelque chose des îles. Et jaune, comme ça ils seront contents. Avec la chaise, tiens. Regardez ça! Voilà. Parce que ça, c'est pile dans leur but, dans le, ce qu'ils demandaient. Le canapé. Et on va faire ça. Hop. Non mais regardez-moi le truc karaoké quoi. Ils aiment la chanson. Bon, il a pas l'air de kiffer le truc de karaoké. Pourquoi? Vous avez enfin des meubles dans votre maison. Et je vous ai économisé 9 Simpsons. Merci, au revoir. C'est que... Ça peut être que mieux, il n'y avait rien. Oui, mais bon, au moins, il n'y a rien. Ils peuvent s'asseoir, au moins. C'est ça qui est beau. Alors, on va discuter avec les clients. À illuminer la journée. Faire connaissance. Draguer. Ça va, hein, quand même. Elle est sèche, en plus. Qu'est-ce qu'il fait, le gosse, là? Il va se coincer de l'autre côté. Ah, ben, ça n'a pas l'air de passer. Bon, le bambin, on s'en fout de son avis. Hein. Sachez-le. Illuminer la journée. Regardez, ils ont une place chacun. Je trouve bien. Il est geek. Ah ouais, bah il fallait le dire avant ça, Jean-Claude. Puis t'avais pas assez d'argent. Donc tu m'excuseras, mais... Pfff, des enfants. S'ils ne sont pas contents, je comprends pas. Ils peuvent ni manger, ni regarder la TV, c'est ça. Ni s'asseoir chez eux, à part par terre, tu vois. Voilà, voilà, hein. Maintenant on va les laisser décider, savoir si on a bien travaillé ou pas. C'est toute une histoire encore ça. Faudrait que j'essaye quand même d'aller un peu plus vite pour construire, parce que là on va pas s'en sortir sinon. On va attendre qu'ils rendent leur verdict, hein. Ils sont un petit peu coincés là. En braille, non? Ouais. Ah, ça y est. Ah, carrément! T'as un gamin qui fait... D'accord, la gamine, elle est prête à donner son avis. Vas-y, 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 donne-moi son avis. Bah, pour faire un câlin, quand même. Elle adore. Ah, la poignée de main est complètement fuck. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on a, comme on dit. Petite question, restriction, qu'un nouveau carrelage autorisé, ça veut dire qu'on peut pas toucher au mur et au sol. Ah bah... Ou mettre du carrelage, peut-être. D'accord, j'ai eu peur, je l'ai vu chialer, Elle m'a fait peur, cette idiote. Vas-y, on s'en fout de la gosse. De la thune, de la thune. Salut Zanur, comment vas-tu? Oh, elle pleure, bichette. Mais là, on a essayé de faire un 100% de ce qu'il demandait aussi, donc c'est ça qui est fou. C'est que on pouvait pas se louper. On a essayé de faire les îles jaunes.
C'est quand même dingue, non? On peut que gagner. Cramer la tête, quoi. Ah, il est content. 648 Simflouz, une forte amélioration de la réputation professionnelle. Ah là 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 là, tu sors d'apéro? Bah écoute, pas moi en tout cas. Moi, tu vois, je suis là. Et je n'apérale pas. Ah mon titi. Oh qu'il est beau comme un lavabo. Pardon, excusez-moi. Toujours pour la miniature, hein, on est d'accord. Vous êtes, n'oubliez pas que... Oh, pardon, je vous ai remis sur... Lac, on n'a rien vu. C'est pas vrai, j'ai pas fait n'importe quoi. Promu au poste de gestionnaire d'espace. Kurt a été promu gestionnaire d'espace avec un mention bonus, 485 simflouz et des nouveaux vêtements. Ah, et alors attends, j'ai pas eu le temps de lire ce qu'il y avait écrit avant. Bon, cela s'est bien passé, les clients ont l'air de beaucoup aimer le nouvel aménagement. Avoir le sens du détail semble vraiment payant, que ce soit en simflouz ou en réputation. Mais c'est merveilleux ça, Jean-Claude. Nous sommes donc au niveau 3 de la carrière de décorateur d'intérieur. Bah écoutez, on va commencer à chercher un nouveau contrat. Alors, rénovation de pièces. Toujours la même chose. Je pense qu'on va essayer de changer. Rénovation d'étage. Alors, est-ce qu'on va chez l'Evatore? On va chez l'Evatore. C'est-à-dire Lilith et machin bidule, là, Caleb. Ou est-ce qu'on va chez les Yamamoto? Qui sont exactement même budget et même mission. Ah bah moi j'ai envie de dire Vator, hein. on va aller chez les Vator. Vatore, si, sta bene, oh, elle est là. Vatore, ouais, si on prend les Vator. C'est parti pour les Vator, ça sera donc à 9h samedi, c'est-à-dire le lendemain de cette journée pour Kurt. Nous, on va continuer à jouer dans notre coin au niveau de sa vie perso. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour YouTube, évidemment, pour la prochaine mission chez Levator. À très bientôt, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette rediff et à très bientôt. Ciao, ciao.